Bonjour France. Bonjour. Studio Lacan accueille Catherine Millet dans sa séquence Un divan dans le monde. Bonjour Catherine Millet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons en prenant prétexte de l'apparition de votre dernier livre, Commencement, aux éditions Flammarion. Vous y poursuivez votre entreprise d'écriture autobiographique qui, si je ne me trompe, a débuté comme telle par l'événement littéraire qu'a constitué en 2001 la publication de La vie sexuelle de Catherine M, qualifiée en quatrième de couverture de sa version poche comme l'un des livres les plus audacieux, je lis, et les plus stupéfiants que la tradition érotique ait donné à la littérature française. Pas moi, non. Mais d'autres jalons ont parsemé ce chemin, jour de souffrance, une enfance de rêve, et donc maintenant commencement où vous parcourez, on pourrait dire, la toute fin de votre adolescence et ce laps de temps que vous qualifiez vous-même d'entrée dans la vie. Je vous cite, où le très jeune adulte rencontre le mur rugueux du réel sans avoir lui plus de consistance qu'une figurine en papier. Mais avant La vie sexuelle et votre entrée dans le champ des lettres, vous étiez connue et vous restez connue comme la fondatrice et la directrice de la rédaction de la revue Art Press et pour avoir plus que largement contribué à faire connaître et à faire entrer en France ce qu'on appelle l'art contemporain ou encore l'art conceptuel dont vous êtes au fil du temps devenue une critique et une spécialiste majeure et commissaire à ce titre d'exposition d'ailleurs aussi. Vous avez donc commis d'innombrables textes et plusieurs ouvrages dont l'art contemporain, histoire et géographie qui fait autorité, mais aussi entre autres Le corps exposé d'Ali et moi, un livre sur Yves Klein, sur François Arnal et j'en passe. Et je termine en mentionnant un livre d'entretien, je le montre parce qu'il n'est pas dans les visuels qu'on va diffuser, avec Richard Lédier, d'Art Press à Catherine M. Je voulais terminer sur la présentation sur ce livre parce que justement ce qui fait en quelque sorte toute la singularité de votre œuvre, c'est que vous établissez, disons, un tressage ou un lien, en tout cas un nuage très étroit, entre votre vie, votre rapport à la sexualité dont vous avez tenu à témoigner, l'art contemporain dans sa spécificité et votre travail d'écriture. Et donc c'est à partir, je dirais, de cette intrication que nous sommes impatients de pouvoir converser avec vous et que nous avons épinglé notre rencontre d'aujourd'hui du titre « Catherine Millet à Studio Lacan, vie, sexe, art et littérature ». On trouvera une... Quel programme ? Oui, voilà. On trouvera une petite résonance supplémentaire à tout cela pour nous dans notre séquence actualité de la psychanalyse qui sera tenue aujourd'hui par Alexandre Stevens à propos de ce que Lacan pouvait dire de l'artiste au regard de la psychanalyse. Allons-y. Alors, moi, je voulais vous faire réagir sur votre titre. Je pense qu'on vous a déjà posé la question, mais le S de commencement,
Comme l'a dit Yves, enfin, et c'est comme vous le dites vous-même dans votre livre, vous décrivez dans ce livre ce moment d'entrée dans la vie. Et en le lisant comme lectrice, je l'ai perçu comme un temps un peu suspendu, en effet, ce temps des commencements. Alors, un peu suspendu, j'ai envie de dire, parce que j'étais très sensible à votre description de cette chambre de bonne suspendue au-dessus de la rue Bonaparte, n'est-ce oui, pas, comme une fenêtre sur le monde, où vous vivez avec Daniel Templon, alors que lui lance sa galerie et que vous lancez dans l'écriture de critique d'art. Alors, ce que je me suis dit, c'est que alors évidemment, il y a plein de commencements dans ce livre, la rencontre avec l'amour, la sexualité, la rencontre avec l'art contemporain dont vous allez parler, la rencontre avec ces quatre garçons, très importants dans votre vie. Oui. À titre personnel, je trouve que ce que vous avez réussi à faire passer dans ce livre, surtout, c'est ce sentiment de vie, un formidable sentiment de vie. Et je me suis dit que le S du pluriel, c'était le S des possibles. Et vous revenez beaucoup sur les possibles, notamment à un moment donné quand vous parlez des artistes comme Smithson, qui se livre à des entreprises. Ah oui, oui, c'est en fait, quand vous évoquez un artiste comme Smithson, par exemple, qui va faire des travaux gigantesques en pleine nature, comme ça. Oui, personne ne se posait la question de savoir finalement comment ça allait être payé, comment ça allait être fait, etc. Bon, c'était possible, point final. Bon, et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Il y avait aucune... comment dire, on avait le sentiment, on a vécu avec le sentiment qu'il n'y avait pas de limite à l'imagination, en quelque sorte, qu'un artiste pouvait faire ce rêve, ou comme Michael Heiser, par exemple, d'aller faire une tranchée énorme dans le désert. Bon, il pouvait en avoir rêvé et puis le réaliser le lendemain. Et donc, personne ne se posait la question de savoir si c'était bien pour la nature, si c'était... quelle était l'idéologie derrière ça, enfin, toutes ces questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Donc, oui, il y avait les possibles, vous avez raison. C'était un moment de très grande ouverture, même si après, on s'aperçoit que tout n'est pas possible. Mais oui, c'est vrai que ça caractérise cette... y compris des choses... Parce que là, on a évoqué des exemples artistiques extrêmement spectaculaires, mais c'était possible aussi dans l'intime. C'était possible de montrer son corps nu, par exemple, près d'une performance. Qu'est-ce que c'était une performance? C'était tout près de son public. Les artistes ne sont pas sur une scène. Ils sont au milieu de leur public, dans une galerie dont l'espace est relativement étroit. Et ils se dénudent et ils exposent quelque chose avec leur corps nu à ce moment-là. Il y a des exemples que vous donnez qui sont extraordinaires. Notamment... attendez, j'ai... Pito Acconci. L'artiste qui se met chez Ileana Sonnabend. Oui, c'est ça, c'est Vito Acconci qui avait fait cette performance à la galerie d'Ileana Sonnabend à New York. On avait fait construire dans la galerie un faux plancher sous lequel il était caché, mais rampant en quelque sorte, évidemment, parce que c'était pas très haut. Et il apostrophait à travers les lattes du parquet le public qui passait au-dessus de lui, et il racontait qu'il se masturbait en regardant sous les... par exemple, sous les jupes des femmes. Justement, pardon, juste à propos du « tout est possible », j'ai relevé un passage, juste pour finir sur Smithson, mais parce que là, il y a un nuage entre l'art et vous, et cette jeune génération. C'est ça que j'ai trouvé très beau dans votre livre. Vous parlez justement de la Spiral Jetty, sur le grand lac Salé, le plus grand d'Amérique, et vous dites « prétendre tout est possible » ou « le monde, l'heure et par identification nous appartient » n'était pas que de la rhétorique. Voilà. Oui, il prenait les possessions du monde au sens propre, quoi. Il le prenait à pleine main, si j'ose dire, même si c'était les mains étaient relayées par des pelleteuses, quoi. Oui, c'est ça, mais le leur, c'est vous aussi bien, par identification, nous, vous dites. Oui, bien sûr. Je crois qu'on était enthousiasmés par ça. Et
Et puis que, quand même, cette fin des années 60 et encore ce début des années 70, c'était encore une période d'utopie. C'était encore une période où on pensait que le monde allait s'améliorant. Okay. Bon. Et moi, j'ai cru en l'art contemporain parce que je pensais qu'il était un modèle, en quelque sorte, d'une société future et que cette liberté que nous nous donnions, les artistes et ceux qui travaillaient avec eux, eh bien, elle allait être partagée un jour par l'ensemble de la société. Oui, le terme de liberté, d'ailleurs un terme qui revient beaucoup dans vos écrits comme fondamental. Et au fond, cette période est la période en même temps où je veux dire, vous accompagnez la, où l'art contemporain s'invente presque. Ah oui, on s'invente. Pourrait dire. Oui, parce qu'en plus, à l'époque, il n'était pas question d'art contemporain. Les gens n'employaient pas l'expression, elle n'avait pas encore été forgée. Oui. Mais donc vous développez dans le livre que ça n'est pas le geste même de ces artistes qui rompaient avec une certaine tradition n'était pas sans consonner avec votre mode de vie même et votre façon de vivre la sexualité aussi. Enfin... Oui, alors je ne dirais pas que tout le monde partageait... cette morale, ce mode de vie qui était le mien. Quelques-uns quand même, d'ailleurs, je raconte des épisodes où je vais rencontrer des artistes à New York et puis finalement la soirée tourne en d'une manière sexuelle, quoi, en fait. Donc on était quand même, oui, c'est vrai que ça c'est connu, que c'était une période d'une très grande liberté sexuelle, quoi. On se posait pas trop de questions, qu'il était admis qu'on pouvait avoir une sexualité sans être forcément très très amoureux et je crois sincèrement que les femmes jouaient leur rôle là-dedans autant que les hommes, quoi. Je crois que ça a été aussi pour les femmes un moment de grande libération sexuelle, en fait. Parce que d'abord, on avait la pilule, c'était un truc nouveau. Moi, je fais partie de la première génération à avoir profité de la pilule quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et alors, est-ce que ça consonne avec une dimension de libération dans l'art ? Parce que donc, peut-être on peut parler rapidement un peu de l'art contemporain, de l'art conceptuel. Vous dites que c'est un art qui a surgi où... la production artistique interrogeait le concept même d'art. Ah oui, alors cette liberté, elle pouvait aller... il y avait une remise en cause générale dans la société, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer. Et donc, c'était... Ça faisait peut-être partie d'un tout. C'est maintenant, d'ailleurs, je crois qu'on peut en prendre conscience. On remettait en cause la société, on remettait en cause la définition même de l'art. Est-ce que l'art, c'est obligatoirement un tableau encadré, posé sur un mur? Bon. Et donc, ça allait très très loin, cette remise en cause. Et c'est vrai, moi, je me suis en particulier intéressée plutôt à ce qu'on appelait l'art conceptuel. Et c'était, au sens strict, des gens qui repensaient la définition même de l'art dans des travaux un peu, même souvent rébarbatifs. Parce qu'ils étaient assez théoriques, mais ça, je le justifie par le fait que moi, j'étais assez néophyte, j'avais pas fait d'études d'art, et qu'en fait, les accompagner dans cette remise en cause de la définition de l'art, c'était, ça a eu des vertus assez pédagogiques me concernant. Si je me permets, en même temps, c'était une liberté parce qu'elle rompait avec la tradition artistique. Elle se dégageait, comme vous dites, par exemple, de la notion du beau. Ça, c'est les avant-gardes. Et en même temps, vous insistez quand même à travers vos livres que tout n'est pas art. On avait eu l'occasion de se rencontrer à Bruxelles aussi et vous repreniez à votre compte le fait que l'art est une chose rare et que donc il ne suffit pas d'être libre, mais qu'il y a... Vous insistez beaucoup sur le geste d'invention et de rupture comme étant fondamental. Oui, pour moi, l'art, la littérature, c'est... alors, ça peut paraître assez paradoxal dans ma bouche parce que, j'écris surtout sur ma vie et on pourrait penser que je reste prisonnière de ça. Mais en fait, c'est l'effet exactement inverse. Je pense que donc produire une œuvre d'art, une œuvre littéraire, c'est un arrachement à son environnement.
C'est un arrachement à son passé, même d'une certaine façon à ce qu'on est, parce que ça vous transforme aussi. Et donc, moi, je sais que des fois, on m'a posé la question, on me demandait, mais est-ce que vous écrivez tous ces livres autobiographiques pour mieux vous connaître? Et je disais, non, c'est justement pour essayer de m'oublier. Ça a l'air d'être un peu paradoxal, mais c'est la réalité, en tout cas. C'est très intéressant. Je vous coupe, mais je me débarrasse de moi. Voilà. Vous l'avez expliqué, j'ai entendu ça dans une émission, c'est très intéressant. Alors, il y a justement, à propos de ne pas être prisonnière de, de sa petite histoire, il y a justement, vous faites la distinction, vous dites comment, avec Jean-Pierre Reynaud... vous dites plus précisément, les artistes que j'aime, oui, que j'ai aimé, c'était des artistes qui avaient un sens de l'histoire, la grande histoire, mais pas, qui n'était pas englué, on va dire, dans la petite histoire. Oui. Et vous dites, et il y a un moment, une anecdote que je trouvais extrêmement amusante, où vous racontez que vous jouez au jeu avec Gérard Titus Carmel, de vous raconter votre histoire à la... On se fait un à la David Copperfield. Oui. Et alors, tous les petits trucs un peu sinistres, enfin, je l'ai compris comme ça, de l'existence, mais on sent bien qu'en réalité, c'est un jeu, en effet, oui, parce qu'il n'y a rien de à la David Copperfield là-dedans. Non, et je crois même que lorsque j'ai écrit ce livre sur mon enfance, une enfance de rêve, d'ailleurs ça s'intitule Une enfance de rêve, c'est vrai que j'ai le souvenir de souffrance pendant cette enfance, puisque j'étais au sein d'une famille où tout le monde se déchirait comme ça, bon, mais je crois pas en avoir fait un récit pour autant pathétique, larmoyant, désespéré, avec une vision très, très négative de la vie. Donc non, je crois que, en fait, pour moi, ces récits autobiographiques, je dis ça aussi dans le dernier, c'est transformer quand même ce qu'on a vécu, la vie réelle qu'on a vécu, en roman, en une sorte de fiction, avec ce que ça préserve de part de rêve aussi, le roman ou la fiction. Donc maintenant, pour moi, cette vie que j'ai racontée par le menu, parce que quand même je suis assez précise et je veux pas louper non plus des aspects qui pourraient être négatifs, en fait, c'est du roman. Donc c'est du rêve, voilà. Et même enfance de rêve. Alors. Voilà, donc c'est ça. Et le rêve dans équivoque là, c'est. Oui, bien sûr. Non, et justement, alors à ce propos, non, ça m'a amusé parce que de votre jeu, je me suis demandé, est-ce que vous aviez pensé au début de l'attrape-cœur de Salinger? Non. Parce que c'est ce qu'il dit au début. Il dit, je vais pas vous la faire à la David Copperfield, vous dire d'où sort mes parents, etc. Et il raconte ses... Mais alors, oui, justement, je voulais revenir aussi à la question de la mémoire, enfin de vos souvenirs, hein, puisque ce que vous avez dit là, qui est très intéressant, à savoir qu'une fois que c'est écrit, en effet, c'est comme s'il y avait un récit qui se superposait à ce qui avait eu lieu. Oui, moi j'en ai fait l'expérience, vraiment. En fait, c'est intéressant du point de vue, enfin, pour les gens qui s'intéressent à la mémoire, je sais pas, un neurologue par exemple, c'est très intéressant. Moi, dès la vie sexuelle de Catherine M, je ne me souvenais plus de ce que j'avais mis dans ce livre. Et c'était même assez déroutant, parce qu'en fait, c'est comme si tout d'un coup, j'avais une amnésie. Alors, ou plus exactement, le souvenir qui me revenait d'un fait, d'un petit épisode relaté dans ce livre, c'était tel qu'il était écrit. Oui, c'est ça. Et c'était plus tel qu'il était. Devait être dans ma mémoire brute, comme ça, quand c'était revenu au moment de l'écriture du livre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez troublant, mais bon, maintenant, ça va, je me suis habituée, mais je sais que ce que je mets dans un livre, je l'oublie, quoi. Ouais. Alors, pardon, j'ai juste une... On se bagarre pour vous poser des questions. Donc je fais un effort pour répondre à vos questions, là. Juste une dernière, parce que justement, ça illustre, c'est un exemple que vous donnez, mais qu'il y a, du coup, tiré de l'art. C'est exactement ce que vous décrivez là, mais là, c'est l'art. Et c'est le moment où vous découvrez la série des Women de Willem de Kooning. Oui.
Et si j'ai bien compris ce que vous dites, ça articule tout à fait ça. C'est l'idée que si vous vous en rappelez de l'émotion que ça a produit chez vous, suscité chez vous, elles sont incroyables, ces femmes de Kooning, qui ont été détestées d'ailleurs au moment dans la première série. Et si vous vous en rappelez, c'est que en fait vous n'avez plus jamais écrit sur de Kooning après cette fois-là, vous c'est dites, vrai. Et que du coup il n'y a pas la superposition de l'écrit qui serait venue écraser. Donc il faut, c'est vrai, faut s'en féliciter alors d'une certaine manière. Alors, en l'occurrence. Oui c'est vrai. Peut-être que maintenant je vais m'y mettre. Je ne sais pas si j'ai l'occasion, mais c'est tout à fait vrai. Je crois que cette sensation extraordinaire que j'ai éprouvée en visitant cette exposition, parce que je m'y attendais pas du tout. Je connaissais pas bien la peinture américaine, les Women de Kooning. Je crois que j'ai compris en sortant de l'exposition et encore en me renseignant après ce que ça pouvait être, ce que ça représentait dans l'histoire de l'art. Si ça m'est resté comme ça comme émotion très vive, vous avez raison. C'est parce qu'en fait, j'ai pas eu à travailler dessus et travailler, ça aurait réinscrit peut-être dans tout un corpus comme ça de références ces femmes, et ça aurait étouffé l'émotion première. Oui c'est vrai, mais bon, alors quand même, je suis encore, bien qu'ayant beaucoup écrit sur l'art, je suis encore capable d'avoir des émotions devant certaines œuvres. Oui Oui, d'ailleurs, vous décrivez un rapport à l'œuvre tout à fait particulier, puisque vous dites que ce n'est pas seulement une jouissance de la contemplation de l'objet, mais une jouissance d'être avec l'objet. Présent avec l'objet, et que d'ailleurs, ça rejoint la question dont on parlait déjà, que, au fond, c'est plus le souvenir de cette coprésence qui compense, au fond, les lacunes de la perte de l'image ou de la mémoire. Oui, on s'accroche beaucoup à ça d'une manière très fétichiste, je trouve. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je m'amuse à faire le récit de disputes qu'il peut y avoir entre amateurs d'art ou entre collectionneurs, en disant non, j'ai été le premier à être en présence de cette œuvre. Et je crois que ça joue beaucoup et ça conforte en tout cas le souvenir qu'on peut avoir d'une œuvre d'art. On se souvient pas simplement de l'œuvre, on se souvient de tout ce qui l'environne, de l'architecture souvent autour. On se souvient de son comportement devant cette œuvre. Est-ce que on l'a vu, on circulait, on est passé à une autre pièce, puis on est revenu la voir, etc. Le souvenir est fait de toute cette étoffe, quoi. Alors ça consonne quand même beaucoup, dites-moi si vous êtes d'accord, avec ce que vous dites, ce que vous décrivez du rapport au corps que vous avez, et y compris de la sexualité. Je pense d'ailleurs que, je suis certain que vous dites que vous avez composé Catherine M. comme en référence à des questions d'espace, d'environnement, que vous décrivez comme... J'ai travaillé en critique d'art, si je puis dire, parce que... Bon, ça doit correspondre à ma structure psychique aussi, hein. Je suis sensible à l'espace, je suis quelqu'un qui à la fois... Je suis typique des amateurs d'art, vous savez, ou même des artistes même. Enfin, vous savez, l'image qu'on a du peintre qui s'approche de sa toile puis qui prend du recul. Bon, alors moi, je suis tout à fait comme ça. Je suis du genre à aller me coller le nez sur quelque chose pour le voir de très près. Et puis après, à prendre beaucoup de recul. Donc... Oui, d'ailleurs, vous dites que vous êtes foncièrement dans une position d'observatrice, y compris de vous-même. Oui. Alors ça, vous en parleriez mieux que moi, je pense, mais... c'est toujours quelque chose que j'essaye de partager avec des gens. Je dis, mais par exemple, quand vous êtes dans une situation donnée, comme ça, est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment totalement dans cette situation, ou est-ce qu'il n'y a pas un arrière-plan, de votre conscience, qui fait que vous êtes en même temps aussi en train de vous observer, bon, d'avoir du recul, d'être quand même aussi en même temps le spectateur ou la spectatrice de ce que vous êtes en train de vivre. Alors je recueille des témoignages divers comme ça. Je suis pas sûre que ça soit partagé absolument par tout le monde, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris
travaillant sur Salvador Dali, puisqu'on est... Mm-hmm. Voilà, parce que Dali se définissait lui-même comme un voyeur, bon. Aussi un voyeur au sens sexuel, quoi. Et en lisant les écrits de Dali, j'ai compris des choses sur mon propre fonctionnement, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai toujours dit, j'ai écrit ce livre sur Dali en ayant l'impression que je l'écrivais de l'intérieur de Dali, parce que j'avais l'impression que je pouvais m'identifier tellement bien à certains de ces mécanismes psychiques que vraiment, j'étais la meilleure personne pour les comprendre. Bon, et oui, ça, c'est vraiment, je peux dire que la lecture des ouvrages de Dali, parce qu'il a quand même écrit, enfin, d'une certaine façon, à sa manière, et puis bien sûr sa peinture, ça m'a d'une part fait évidemment comprendre des choses sur moi-même, mais ça m'a même permis d'écrire le livre qui s'appelle Jour de souffrance, qui est justement un livre, qui... Vous avez écrit le Dali après La vie sexuelle, oui, et avant Jour de souffrance. Oui, voilà, j'ai eu l'idée, ça s'est fait sans que ce soit la réponse à un programme, hein, parce que La vie sexuelle est sortie, et tout de suite, j'ai pensé qu'il fallait que j'écrive sur la jalousie, voilà. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite, sans vraiment l'avoir voulu. J'ai d'abord été tentée, peut-être aussi parce que j'en avais marre de Catherine M. et j'avais envie de m'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc je me suis intéressée à Salvador Dali, et Dali m'a renvoyé à Catherine M. et à ses crises de jalousie. Voilà. Oui, c'est évidemment un point très intéressant de votre témoignage autobiographique. C'est qu'à la fois, on vous a déjà souvent dit ça, mais vous décrivez à la fois une vie très libre, une vie libertine, dans une union libre, et en même temps, le livre qui fait complément à La vie sexuelle, oui, de Catherine M. Oui. est un livre qui porte sur la souffrance de la jalousie, a pu étonner. Oui. Et d'ailleurs, dans le livre dont nous parlons, Commencement, vous donnez d'ailleurs des détails supplémentaires sur le type de femme qui pouvait... provoquer un sentiment de jalousie. Bah oui, ça, j'ai oublié. Il faudra les lire. Alors, oui. Mais bon, peut-être sur cette opposition, Oui, en fait, je disais à l'instant, moi, j'ai eu l'idée de ce livre sur la jalousie immédiatement après la sortie de La vie sexuelle, parce que j'ai fait évidemment beaucoup de rencontres en public, et très très souvent, les gens venaient me trouver, ou même comme ça en pleine salle, venaient me dire « mais voilà, c'est formidable cette vie que vous avez eue de grande liberté, mais alors ça veut dire que vous n'avez jamais été jalouse de votre vie ?» Et alors je disais « ben non, si, j'ai été jalouse, bon !» Et donc j'ai éprouvé quand même la nécessité de m'expliquer là-dessus, en tout cas, enfin m'expliquer, je ne sais pas si je m'explique, mais en tout cas de dire « si, ça, c'est comme ça, on peut être comme ça, à la fois avoir une philosophie de la vie, une morale même qui admet la liberté sexuelle, et néanmoins souffrir de la jalousie. Malheureusement, si la philosophie ou la morale, ça vous préservait des sentiments, ça se saurait. Alors, moi, je voulais peut-être revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du recul, parce que j'associe ça à un mot qui revient souvent aussi dans ce livre, c'est la question de la distance. Et là encore, quelque chose qui se noue entre l'art et vous-même. Vous parliez de la distance que vous avez, cet arrachement, justement, par l'écrit, à la proximité d'une vie qui, sinon, pourrait se... David Copperfieldisé, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Oui. Justement, il y a un passage que je trouve très, très joli, vous exprimez un peu là-dessus, à propos de deux petites statues que vous observez de loin, le berger et sa bergère, et qui sont donc en marge du boulevard Saint-Germain, et vous dites...
justement que je me contentais d'apprécier de loin pour chaque fois me dire fugacement que ce serait écrire, écrire vraiment, que de décrire ce qui se passait dans ce pan de mur entre eux, large et vacant. Et en fait, que ce serait ça, écrire, écrire dans la distance, en fait. Oui, au sens propre, là, de remplir cette distance avec, avec des mots. C'est très... alors, ce n'est pas des petites sculptures, hein, c'est assez grand. C'est... Alors maintenant, ils l'ont un peu... Ils l'ont déplacé, cette fontaine, qui, je crois, n'est plus une fontaine, dans ce petit jardin, là, sur le boulevard Saint-Germain. On ne la voit pas très, très bien, mais enfin, c'est quand même, voilà, une pièce assez, assez importante. Et pourquoi cet ensemble sculpté... qui franchement est esthétiquement pas très intéressant, mais qui m'avait été signalé par un artiste qui était Joël Kermarek. Pourquoi ça a retenu mon attention comme ça, pourquoi ça m'a obsédé en quelque sorte, pourquoi mon esprit s'est fixé là-dessus. Ça, c'est vraiment des choses qui vous échappent, quoi, en fait, et qu'on peut, là, des années et des années, en votre compagnie, d'ailleurs, aidé par vous, commencer à comprendre. Vous aider à comprendre, oui, non, c'est l'inverse. C'est vrai que j'étais fascinée par cet espace. Normalement, ce couple est amoureux. Normalement, ce couple devrait être, sinon enlacé, du moins, je sais pas, se tenir les mains, c'est un berger, une bergère. Bon, mais ils sont retenus par, voilà, par leur pudeur, par leur morale peut-être, par bon. Et donc il y a cet espace très très étrange comme ça entre eux. On n'a même pas l'impression, ils sont dans l'arrêt en fait, parce que il pourrait y avoir cette distance, mais qui donnerait le sentiment qu'ils vont se rapprocher. Mais là vraiment le sculpteur l'a pas communiqué. Et donc il reste ce vide en quelque sorte. Oui. Cette distance, bon, est-ce que... Oui, moi, c'est vrai que... La tension entre, comme vous dites, mettre des mots, l'écrire, et en même temps, elle est là. Oui, c'est-à-dire que, en fait, on peut avoir envie de réduire cette distance, mais les mots suffisent pas, en fait. C'est un travail perdu d'avance, en quelque sorte, parce que moi, si j'essaye de combler, c'est, voilà, comment dire, je vais aller chercher les mots pour remplir cette distance comme ça qu'il y a entre moi et le réel, entre moi et les autres, les gens que j'ai aimés, donc, et puis évidemment qu'il n'y a jamais eu de fusion, donc voilà, avec les mots je vais remplir cette distance, mais pour autant j'aurai pas la clé voilà, de ce qui m'a écarté d'eux, de ce qui m'a séparé d'eux, de ce contre quoi encore je bute aujourd'hui. Donc voilà, il y a toujours cette distance. Se chercher vous l'accrochez aussi très spécifiquement à une caractéristique de l'art conceptuel dont vous dites c'est un art qui, en laissant suspens, qui appelle à une interprétation, qui en appelle à des mots, pour sortir de cette indétermination dans laquelle l'œuvre nous laisse. Oui, mais moi je crois beaucoup à ça d'ailleurs. S'agissant peut-être que l'art conceptuel l'a exacerbé, mais je pense que toute œuvre d'art appelle ça, enfin, sinon je ne ferais pas le métier que je fais d'abord, et puis je trouve rien de plus merveilleux, délicieux, que de débattre d'une œuvre d'art, de ce qu'on a ressenti, de l'interprétation qu'on en donne. On livre son interprétation, mais celui d'à côté qui a vécu au même moment la même expérience va vous dire complètement autre chose, et on va en débattre, et puis évidemment on ne sera jamais d'accord, ou il n'y aura jamais de solution. Et ça, moi je trouve que c'est ça, c'est une des choses que j'aime dans l'art, c'est que ça maintient toujours en suspens, en fait. Il n'y a jamais de point final, quoi. Votre dernier livre nous apprend, au fond, que votre désir d'écrire est là très tôt, d'emblée, puisque vous commencez par l'écriture de poèmes, dans un cercle de revue de poésie. Oui, c'est pas le cas de tous les gens qui...
qui écrivent, mais oui, c'était mon cas. Bah, peut-être parce que justement, comme je l'évoquais là tout à l'heure, enfin, comme je l'ai mis dans une enfance de rêve, la vie à la maison était un peu difficile et donc il y avait une bibliothèque et c'est un bon moyen de s'en sortir, quoi. Voilà, donc la bibliothèque, ça vous donne envie d'écrire. Bon, il y aurait... On aurait 200 questions encore. Tellement de choses. Par exemple, on apprend aussi dans votre livre, du coup j'ai été voir effectivement que cette très belle photo qui fait la couverture de La vie sexuelle, très belle photo de vous nue, est en même temps une photo qui est prise au sortir d'une crise de larmes et que vous avez le regard humide. Oui. Je vais finir par tout avouer finalement. Vous insistez beaucoup que les larmes étaient quelque chose de très important. Oui, enfin, toute cette période évoquée, pas tant dans le premier chapitre de commencement, qui est plutôt la fin de l'adolescence, mais après, quand j'ai commencé à travailler, à fréquenter le milieu de l'art, à vivre avec Daniel Templon, ça a été... j'ai gardé. Et puis, bon, j'avais aussi quand même une mère qui est très, très perturbée, dont voilà, sa présence était lourde. J'ai été une jeune femme très mal à l'aise, à la fois avec des certitudes au fond d'elle-même. Voilà, je savais que je voulais écrire, que j'écrirais un jour. Je savais pas comment ni dans quelles conditions, mais j'en étais sûre. Et puis en même temps, comme la réalité n'était pas immédiatement conforme à ce désir que j'avais au fond de moi, eh bien, je souffrais. Et c'est vrai que j'étais une pleureuse, quoi. C'est horrible. C'est la souffrance, vous le disiez dans des entretiens que j'avais écoutés de vous, que vous vous disiez, c'était une souffrance physique d'ailleurs, si je me souviens bien, vous vous disiez, un jour il faut que j'écrive ça, parce que vous aviez l'idée que vous étiez la seule à avoir... Oui, mais ça c'est une autre souffrance, c'est que je le suis moi maintenant, mais j'ai été une très très grande migraineuse. Oui, c'est ça. Voilà, et enfin, les migraineuses savent qu'on souffre le martyre, bon, on va pas mourir, mais on souffre énormément quand même, et je pensais qu'il fallait un jour, je suis pas sûre de l'avoir fait, mais qu'il fallait réussir à écrire là-dessus, sur une situation extrême, comme par exemple une douleur, une douleur qui vous prend la tête au sens propre. Bon, on est en plein dans notre domaine. Hein. Oui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui Catherine vous remercie Millet, beaucoup. Pour votre générosité à répondre à nos questions. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Nous passons à notre séquence suivante. L'actualité de la finale. Bon, voilà. Alexandre Stevens, actualité de la psychanalyse. Donc, en résonance avec l'entretien que nous venons d'avoir avec Catherine Millet, nous disions que c'était l'occasion de commenter ou disons d'éclairer un propos célèbre de Jacques Lacan concernant la psychanalyse et l'artiste ou l'art en général, un propos qui est souvent repris dans les cercles psychanalytiques, voire artistiques, ou dans ce que nous qualifions d'opinion éclairée. C'est un propos qu'on trouve dans son texte « Hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de Lolvestein », repris dans les autres écrits, où il dit, c'est ce qui est très connu, je le cite, « Le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède. » Ça, c'est le passage connu, souvent repris, qui se rajoute de « et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix ». Alors, Alexandre Stevens, comment est-ce qu'on peut situer au fond la portée de ce propos de Lacan ? Oui, je ferai d'abord remarquer que ce que dit Lacan dans ce propos est extrêmement précis. Ça ne consiste pas simplement à dire que le psychanalyste peut trouver des exemples dans les œuvres artistiques de ce que lui-même énonce, mais ça consiste à dire qu'il y a dans l'œuvre artistique, dans le travail de l'artiste, un savoir qui est en quelque sorte déjà là et qui correspond et même anticipe
ce que le psychanalyste va pouvoir mettre en évidence à partir des structures subjectives. Il précise d'ailleurs que tout autre usage, comme il vient de le mentionner, tout autre usage de l'œuvre ou de la biographie n'a aucun intérêt, serait erroné de la part du psychanalyste. Je le cite ou le recite, oui. L'analyste n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. Je le recite parce que je trouve ce point-là essentiel. On rencontre souvent dans les textes psychanalytiques à l'occasion des psychanalystes, ou on a rencontré souvent des psychanalystes qui cherchent à analyser... Oui, Marie Bonaparte. Par exemple, voilà, hein, qui cherche à analyser l'artiste à partir de son œuvre en tirant des conséquences pour montrer sa névrose, sa pathologie, etc. Ce que Lacan propose là est absolument à l'envers de ça. Il a même des mots très durs pour ceux qui font ça, puisqu'il dit précisément que ces psychanalystes font alors preuve de pédanterie, de sottise, et il ajoute même de goujaterie. Donc c'est assez dur par rapport à ça. Et ça situe clairement donc que pour Lacan, l'analyste n'a pas à analyser l'artiste, à interpréter l'artiste, sauf bien sûr si un artiste vient sur son divan. Mais c'est pas en tant qu'artiste alors qu'il va bien sûr l'analyser, il a plutôt à s'en enseigner, parce que les structures dont le psychanalyste lui-même va chercher à élaborer sont déjà aussi pour une part là, dans l'œuvre artistique. Oui, d'ailleurs, il m'est apparu en relisant le texte et la citation que la phrase est souvent reprise, je me disais, ou comprise de façon peut-être tronquée, comme si l'artiste précédait le psychanalyste quant au savoir psychanalytique, alors que l'équivoque porte sur le « en sa matière ». Donc, Lacan dit « en sa matière », l'artiste toujours précède le psychanalyste. Il me semblait que la matière en question, c'est celle de l'art et pas celle de la psychanalyse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Hein, tout à fait. C'est-à-dire que Lacan ne dit pas, en effet, que l'artiste aurait formulé des éléments, disons, du discours analytique ou des... aurait formulé en termes métapsychologiques, pour reprendre le terme de Freud, des éléments de ce qu'il rencontre dans le monde et dans sa propre existence par son œuvre. Ce que dit Lacan, c'est qu'en effet, l'artiste, en quelque sorte, partage déjà ce savoir. Et d'ailleurs, il a une phrase que je voudrais citer, encore une fois, dans ce texte sur Marguerite Duras. Il dit Marguerite Duras, qui s'avère savoir sans moi ce que j'enseigne. C'est extrêmement précis, parce qu'il ne dit pas qu'elle enseigne ce que j'enseigne, ou qu'elle l'a dit avant moi. Ça n'a pas du tout dans ce sens-là. C'est au contraire qu'il y a là un savoir qui s'est exprimé d'une autre manière complètement, mais qui est en quelque sorte déjà là, on pourrait presque dire à l'insu de l'artiste, en tout cas à l'insu de l'artiste pour ce qui est de la formalisation de ce savoir. Évidemment, j'ajoute, parce que c'est présent aussi dans une référence chez Lacan, je ne sais plus exactement où, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, qu'il peut dire aussi que ça n'est pas nécessairement vrai pour toute œuvre artistique. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres artistiques qui sont faites, disons, pour satisfaire l'œil, c'est-à-dire pour endormir. C'est ce qu'on peut entendre du côté d'une homéostase par le principe de plaisir. Alors qu'il y en a d'autres qui, au contraire, viennent faire rupture et saisissent, en quelque sorte. Je pense au cri de Munch, qui est aussi une référence de Lacan, d'ailleurs, et où on peut voir comment, parce que ça, on le voit, comment la fonction de la voix est là, éminemment évoquée, comme objet pulsionnel, dans le silence même que cette voix informulée, inaudible, déchire néanmoins. Et c'est un exemple très fort. Effectivement, le cri de Munch, est-ce que vous auriez un autre exemple à nous proposer ? Oui, je partirais d'une autre phrase du texte, toujours d'hommage à Marguerite Duras, où Lacan dit « J'enseigne que la vision se scinde entre l'image et le regard ». Il dit ça à propos de Lol.
quand Lol est là devant la fenêtre où son amant va apparaître avec la rivale. Et au fond, cette scission de l'image et du regard, c'est ce que Lacan a déjà formulé quelques années plus tôt dans le séminaire 11, à propos d'une analyse qu'il tire des tableaux des ambassadeurs. Voilà, du tableau des ambassadeurs de Holbein, exactement, et où il montre la séparation de la vision et du regard. En quelque sorte, ce tableau, pour l'analyse qu'en fait Lacan, va plus loin que l'analyse que Sartre, le philosophe, a donnée de la question du regard, qui est cependant extrêmement intéressante aussi. Parce que dans ce tableau, ce qui frappe, c'est qu'au-delà de tous les objets de l'époque, enfin, qui articulent les modalités du savoir, les honneurs, les pouvoirs, etc., au-delà de ça, ce qui satisfait la vision, au-delà de ça, il y a un objet dont Lacan fait voir à quel point c'est lui qui nous regarde, et qui est cette anamorphose d'un crâne qui se trouve dans le bas du tableau. Alors, cette scission extrêmement claire dans ce tableau du regard et de la vision du sujet et le regard intime qui lui revient du tableau, ça on peut bien dire que c'est présent dans ce tableau et que ça anticipe de loin la formulation qu'en donnera Lacan ensuite en s'appuyant de ce tableau. Et est-ce qu'on pourrait dire la même chose de l'art contemporain, à votre avis? Alors, j'ai plaisir à essayer de dire quelque chose à ce propos, puisque vous avez eu comme invité Catherine Millet aujourd'hui, qui est justement une grande spécialiste de l'art contemporain. J'ai découvert récemment, par un séminaire sur art et psychanalyse à Bruxelles, l'œuvre de Tracé Emin, et j'ai été frappé par une de ses œuvres qui s'intitule My Bet, et qui est en fait la présentation, ça a été présenté d'ailleurs à la Tate Gallery à Londres, la présentation de son lit, son propre lit, où elle venait de passer quelques semaines dans un état dépressif sans quitter le lit en consommant un peu d'alcool, etc. Et cette œuvre, je l'appellerai comme ça malgré qu'un certain nombre de critiques ont évidemment émis des choses très variées là-dessus, cette œuvre, au fond, présente là un lit vide, trace d'un sujet, et après tout un sujet toujours ne se présente qu'avec ses traces, ses signifiants. Il n'y a pas comme tel le sujet lui-même qui est là. Et donc, s'il y a un côté vide, là, qui représente le sujet, dont les traces même qu'il a laissées, et étalé à côté du lit, il y a tous les déchets de jouissance, il y a des journaux, préservatifs. Quand vous dites ça, on voit bien que vous êtes très loin de faire de la psychologie interprétative autour de cette œuvre de Tracé Emin. Absolument. C'est ce que dit Lacan. Le psychanalyste n'a pas à faire le psychologue. Absolument. N'est-ce pas ? On a là une articulation plutôt du sujet et de la jouissance, qui m'a d'ailleurs fait penser à une autre référence de Lacan à ce propos sur les sépultures antiques, où il montre comment dans la sépulture antique, on a les restes du corps, c'est-à-dire le squelette qui est ensemble vide, là, qui représente le sujet comme vide, entouré de ces objets de jouissance, bijoux, armes, vases, etc. Et au fond, c'est exactement la même chose, en quelque sorte, que fait Tracé Emin, sauf que ça n'est pas les objets de la jouissance qu'elle présente, mais les déchets de la jouissance. Ce qui est très intéressant, parce que ça nous donne les deux faces, à la limite, de l'objet petit a, côté agalmatique, côté déchet. Oui, d'ailleurs, Catherine Millet dit dans son livre que l'art contemporain élève la dimension de déchet, justement, au rang d'œuvre d'art, justement. Oui, c'est ça. Ici, on voit bien comment le déchet vient dans cette dimension interpellée, presque à une place agalmatique, en effet. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une œuvre dont on pourrait dire qu'elle occupe une place décisive dans l'œuvre de Lacan ? Alors, à ce propos,
Je pense qu'il faut faire une place à part pour Joyce, parce qu'en effet, l'œuvre de Joyce que Lacan découvre à un certain moment, parce que, en fait, Aubert lui présente à un moment, va avoir là, va donner l'occasion à Lacan d'inventer un nouveau paradigme pour la psychanalyse, d'inventer là un nouveau concept, le saint homme, et malgré tous les éléments qu'il peut d'ailleurs pointer lui-même, du côté de détachement par rapport au corps, néologisme, faiblesse de la fonction paternelle, etc. Malgré tout ça, Lacan jamais ne donnera un diagnostic, ni ne fera une étude psychologique de Joyce. Au contraire, il vient là utiliser Joyce pour montrer, au fond, un nouveau paradigme possible pour la psychanalyse. Merci beaucoup, Alexandre Stevens, de nous avoir fait ce rappel important, en effet, à savoir que nous n'avons, enfin, comment les œuvres d'art nous enseignent. Alors, on prend congé et on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, comme d'habitude, avec Studio Lacan. We'll be right back.